Je m'appelle Jeanne Loubien, donc j'ai 18 ans. Je viens de passer mon bac et je fais de la natation depuis un petit peu de temps, donc je nage en équipe du Sénégal. Je devais avoir moins de 10 ans quand j'ai commencé à nager, donc je pense en CM2. Entre le CM2 et la 6e, c'est relativement jeune. J'ai essayé pas mal de sports avant de faire de la natation. Au final, quand j'ai trouvé la natation, j'étais contente parce que c'était le seul sport ici où j'ai trouvé, je suis sûre qu'il y en a d'autres, hein, mais personnellement, j'ai trouvé un vrai esprit de club, de compétition, et donc ça m'a plu, j'ai continué. Après, je ne peux pas dire que je suis vraiment passionnée par la natation parce que avant de commencer, c'est pas comme si je connaissais tous les nageurs. J'ai commencé à nager, j'aimais bien ça, mais c'est aussi parce que je gagnais, parce qu'il y avait cet esprit de compétition que je pense que j'ai continué à nager. Mais aussi les opportunités qui sont ouvertes après qui m'ont poussé à continuer. Donc c'est vraiment une passion. Donc les championnats du Sénégal, c'est une compétition comme une autre, et donc on peut la gagner sans être championne du Sénégal, dans le sens où tu as gagné la compétition, mais comme tu n'es pas sénégalaise, et à l'époque j'étais pas sénégalaise, j'ai pas le titre de championne du Sénégal, donc je partageais la première place ou la deuxième place du podium avec une autre nageuse qui, elle, était sénégalaise. Moi, je me suis toujours sentie sénégalaise dans le sens où je suis née ici et au final, c'était plus qu'un papier, la nationalité. Et c'est mes entraîneurs qui Malik Fall, mon entraîneur à la BCEAO, qui m'a proposé de nager pour l'équipe du Sénégal. Et il m'en parlait tout le temps de l'équipe du Sénégal et forcément, ça me faisait envie. Du coup, oui, on a lancé les démarches. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris 3 ans pour que je l'aie. Et forcément, oui, c'est mes résultats donc ils m'ont poussé à demander cette nationalité. Ça a pris énormément de temps avant que j'ai ma nationalité parce que j'avais pas 18 ans quand je l'ai demandé et donc j'ai dû l'avoir par décret présidentiel et ça a pris pratiquement 3 ans pour avoir ma nationalité. J'ai couru d'administration pour l'avoir, c'était hyper compliqué et au final j'ai reçu petit décret, là, un petit papier avec écrit pour les services qu'elle peut rendre à la nation, alors j'étais tout émue et tout. Bah, au début, je me disais que c'était juste un papier que j'allais recevoir, que de toute façon, je suis née ici, je me suis toujours sentie sénégalaise, mon père a grandi ici. Mais au final, quand on a ce papier, ça devient différent, tu sens vraiment que ça y est, quoi. J'étais sénégalaise et puis j'ai pu nager. Rien que le fait que ça me permette de rentrer dans l'équipe nationale, c'est tellement incroyable de pouvoir nager pour l'équipe comme ça. Et du coup, ça m'a ouvert encore plus d'opportunités et ça aussi, ça m'a donné envie forcément de continuer les entraînements à nager. J'ai jamais vécu dans un autre pays que le Sénégal et à la maison on a une culture française forcément. Genre, j'ai grandi dans cet environnement. Après, même si mon père aussi a grandi au Sénégal, et je suis la première de la famille à avoir la nationalité sénégalaise. Donc en fait, j'aime pas trop répondre à cette question parce que je me sens juste les deux, je me sens française et aussi sénégalaise et quand je suis en France, je me sens aussi bien française que sénégalaise et quand je suis au Sénégal, pareil, donc c'est vraiment les deux. Nager dans la mer, c'est vraiment pas fait pour moi et j'avais 11 ans quand on m'a lancé la première fois dans Dakar Goré. J'avais vraiment pas envie de le faire, surtout qu'à l'époque c'était pas Dakar Goré, c'était Tcharoï Goré. Maintenant cette course on la fait plus, mais c'était pas 4 km, c'était 8 km. Et je suis quand même assez peureuse, très peureuse même, dans la mer. Donc déjà la course je l'ai fait les yeux fermés et je regardais pas ce qu'il y avait en dessous. Et puis il fallait arriver à l'île, mais c'était compliqué de se repérer tout ça. Donc là j'ai vraiment fait la course pour arriver. Et j'ai eu un classement pas trop mauvais, je crois que je suis arrivée première de ma catégorie, chez les filles quatrième, il me semble. Au final, j'ai gagné 2 fois la traversée, je l'ai faite 3 ou 4 fois, je ne sais même plus. Et donc cette année, je l'ai gagnée. L'année d'avant, j'étais blessée, mais l'année encore d'avant, j'avais gagné. Et donc, en fait, ça me fait bizarre de gagner cette course parce que pour moi, c'est vraiment pas le livre, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Mais Dakar Goré, c'est tellement important ici parce que la natation, c'est
pas super populaire et pourtant Dakar Gouré, les gens connaissent. Donc, par exemple, ça m'a aidé à avoir ma nationalité. Le fait de gagner cette course, ça m'a donné une certaine visibilité et c'est quelques mois après avoir gagné la course pour la première fois que j'ai eu ma nationalité. Donc, je suis convaincue que c'était important de le faire. Et puis au final, quand on arrive sur l'île, bon, on est quand même heureux de ce qu'on a fait parce que je pense que c'est pas rien, on s'entraîne beaucoup. Moi, je fais en compétition plutôt du sprint, donc 100 mètres et 50 mètres nage libre. C'est vraiment le crawl, ma spécialité, parce que les autres nages, j'ai un peu plus de mal. Mais après, si c'est les championnats du Sénégal, je vais essayer de faire toutes les courses pour avoir un maximum de médailles. Et puis, c'est aussi de l'entraînement. Mais mes spécialités, c'est 50, 100 mètres crawl. Après, je pense que si j'avais eu plus d'entraînement dès le début, j'aurais pu me spécialiser dans autre chose, peut-être des plus longues distances, mais je me suis arrêtée au sprint. J'étais tout émue de nager pour le Sénégal parce qu'en plus ça se passait à Dakar et c'était ma première compétition internationale. J'ai trouvé ça vraiment super, l'esprit de groupe. On avait vraiment une équipe et la natation c'est un sport individuel donc on peut trouver ça compliqué au début de se motiver, sachant que c'est un sport individuel. Mais au final, même au-delà des relais, l'ambiance de groupe qui peut exister en équipe du Sénégal, c'était vraiment extraordinaire. En plus j'ai gagné 3-4 petites médailles, 2 médailles d'or individuelles. Donc, c'était une fierté aussi de pouvoir représenter mon pays comme ça, c'était génial. Bon, on ne va pas avoir des médailles aux Jeux Olympiques ni aux Championnats du Monde, mais il y a une vraie histoire de la natation sénégalaise. On a eu de grands nageurs, on a encore de grands nageurs et de grandes nageuses. Donc franchement, au niveau africain, on est loin d'être ridicule. Et puis après, voilà, c'est un sport qui demande aussi un certain nombre de moyens. Et forcément, ici, c'est pas toujours évident avec la piscine olympique, tout ça. Donc oui, franchement on n'est pas ridicule, mais après on n'a pas ce niveau mondial, mais on a beaucoup de potentiel en fait. Là aussi c'était vraiment bien, c'est incroyable à chaque fois de partir, et en plus j'étais la seule fille à partir, mais ça j'ai maintenant, je commence à avoir l'habitude, les compétitions que j'ai faites, j'étais souvent la seule fille. Et puis pareil, il y avait cet esprit d'équipe que j'ai encore retrouvé et c'est des nageurs que j'adore partir avec eux, c'était génial. Et nager là-bas, c'était vraiment la première fois que je sentais, il y avait des séries et des finales. Et pour moi, c'était genre arriver en finale au championnat d'Afrique, je pensais que c'était impossible. Et finalement, je me suis retrouvée à 3 finales. J'ai pas fait de podium, mais c'était quand même, j'ai pris beaucoup d'expérience et puis pareil, c'était incroyable comme expérience. Les championnats du monde, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de monde. Parfois, on peut se sentir un peu largué, tout ça, surtout quand on n'en a jamais fait. Mais au final, on est rapidement à l'aise. Et pareil, là aussi, je le prends vraiment comme une possibilité d'acquérir de l'expérience. Et au championnat du monde, j'ai battu un record du Sénégal au championnat du monde. Et là, c'était aussi. En fait, battre un record, c'était tellement particulier que, en plus, le fait de le faire au championnat du monde, j'ai trouvé ça génial. Et j'étais partie avec mon coéquipier, Abdelrahat Moumanian. Et là aussi, ça s'est super bien passé. Lui qui est plus expérimenté, m'a montré pas mal de choses. Et c'était super. Les gens savent que je fais de la natation. Mais c'est pas. Après, je suis pas une superstar, donc forcément, changer, je sais pas, mais oui, de temps en temps, on va me dire félicitations, tu nages trop bien, des choses du genre. Du coup, ça fait plaisir, mais après, non, changer vraiment, je dirais pas ça. Allier natation et études, c'est vrai, au début, ça me faisait un peu peur. Le jour où on m'a dit que maintenant, il va falloir commencer à nager 2 fois par jour, tous les week-ends, tout ça. Mais au final, je me suis habituée et je pense que si je nageais pas, mes résultats à l'école, ils seraient pas forcément meilleurs parce que c'est une organisation que j'ai appris à avoir. Aussi, moi, je travaille pas mal dans ma voiture, des choses du genre, donc j'ai pas de difficulté à allier natation et études. Je crois que c'est tout à fait possible et au contraire, je pense même que la natation, ça m'aide à avoir de meilleurs résultats à l'école grâce à cette organisation et aussi la motivation que ça entraîne forcément après, parce que moi j'aime beaucoup l'école, hein. J'ai toujours aimé les cours, tout ça. Je vais partir faire mes études en France, là je vais partir à Sciences Po, à Bordeaux.
Et je vais intégrer un club en France, mais j'ai l'intention de continuer à nager, continuer à faire des compétitions jusqu'à ce que j'arrête de nager, j'espère le plus tard possible. Et en même temps, avec mes études, peut-être arriver à continuer à travailler dans le sport, dans des instances du sport, je sais pas, ou du journalisme. J'ai pas de plan fixe et je vais juste continuer à nager et faire mes études. Depuis que je suis petite, je veux être journaliste. J'ai jamais voulu être nageuse, j'ai jamais voulu être sportive de haut niveau quand j'étais petite. C'est juste, c'est venu comme ça et du coup, j'ai continué. Ouais, quand j'étais petite, je voulais vraiment être journaliste. Je pense que c'est à cause de ma maman, parce que ma maman était journaliste. Donc peut-être que ça me faisait envie. Mais maintenant, je me dis juste que je vais prendre ce qui vient et ce que j'aime. Mon plus beau souvenir de nageuse, c'est quand j'ai battu, je pense que battre le record du Sénégal, la première fois que je l'ai battu sur 50 mètres nage libre, c'était à Dakar. Et je pense que c'est mon plus beau souvenir parce que on a des bonnes nageuses au Sénégal, parce que le président de la fédération m'en parlait. Et parce que moi, je suis arrivée à un moment en équipe du Sénégal où justement, on n'avait plus cette équipe féminine. Et donc, j'avais pas de record du Sénégal. Et le fait d'en battre un, ça a montré que bah, finalement, j'avais peut-être vraiment ma place en équipe du Sénégal et c'est mon plus beau souvenir de nage. En fait, je suis super fière d'arriver à représenter le Sénégal sans complexe parce qu'au début, ça me faisait un peu peur d'arriver blonde et... En fait, j'ai toujours peur de répondre à cette question. Ça me fait penser à mon entraîneur quand il me demande de quoi est-ce que tu as vraiment envie. Mais j'ai peur de dire trop et de ne pas réussir à le faire. Donc, je sais pas, mon plus grand rêve, c'est juste d'aller aux Jeux Olympiques et de voir comment c'est. Je ne peux pas espérer une médaille olympique de toute façon pour l'instant. Donc, ouais, mon plus grand rêve, c'est de continuer à nager jusqu'aux Jeux Olympiques. Une journée normale de Jeanne, je vais à l'école le matin. Non, d'habitude, je nage avant d'aller à l'école. Donc, bon, ça, c'est une journée normale d'entraînement pendant la semaine. Je me lève à 5h30, nager, ensuite je suis en cours. Après les cours, je vais à l'entraînement encore et puis je rentre à la maison, je fais les devoirs dans la voiture. Ça, c'est vraiment les pires journées de ma semaine, on va dire. Mais après, pendant le week-end, je trouve le temps d'aller surfer de temps en temps, rester avec ma famille, forcément. Dormir un peu. En fait, c'est deux choses que j'adore. J'adore étudier, j'adore nager. Et puisque je suis capable de faire les deux, je me suis jamais posé la question et je pense que j'aurais jamais à la poser. Donc... Dans 20 ans, j'aurai quel âge? Dans 20 ans, j'aurai 38 ans. Oula, je sais pas, j'espère que je travaillerai dans quelque chose de grand. Je sais pas, bon, dans 20 ans j'aurai arrêté de nager, peut-être que je viendrai à la piscine olympique faire des entraînements à la nouvelle génération et comme je vois les anciens nageurs le faire. J'espère que dans 20 ans j'habiterai à Dakar. Je pense que c'est possible que je vivrai ici. Je sais pas, on verra bien. Peut-être, je vais pas dire mon organisation parce que je suis hyper de la persévérance peut-être parce que en fait je me déçois rapidement, je déteste faire quelque chose dont je suis pas fière, donc je vais toujours essayer de faire mieux et de toute façon en faisant du sport c'est hyper important d'être persévérant, donc je pense que c'est ça. Mon défaut c'est que je suis hyper planeuse, j'oublie tout, partout où je vais je suis capable d'oublier mon sac, des choses du genre. C'est un vrai problème hein, parce que depuis que je suis petite j'oublie tout, je plane tout et gros défaut. La mer déjà, ça me manquera beaucoup. Bon, ma famille forcément, mes parents que je vais laisser tout seul. Et je sais pas parce que en fait, j'ai pas envie de partir forcément, mais je suis contente de quand même d'aller découvrir une nouvelle vie, de passer à autre chose. Donc pour l'instant, je vois plus les points positifs. Après, Dakar, c'est sûr, il y a plein de choses qui vont manquer. Hein. Déjà le climat, rien que ça va me manquer. Les gens, parce que tous les gens que je connais depuis que je suis petite, ils sont ici, donc il y a plein de choses qui m'ont manqué, tout le train de vie qu'on a ici. Euh,
j'ai envie de dire la pauvreté, j'ai envie de dire les petits talibés qu'on voit dans la rue, tout ça, parce qu'au quotidien, forcément, ça devient insupportable. Oui, je pense que, bon, on le dit souvent, mais il faut vraiment croire en ses rêves, parce que quand on se donne les moyens, tout est possible. Après, oui, voilà, il faut se donner les moyens, il faut s'organiser, et il faut avoir envie aussi. Des fois, on peut se dire, j'ai envie d'être champion, j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques, mais si on n'aime pas vraiment ça, si on n'est pas prêt à faire des sacrifices, ben, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, ouais, il faut être prêt à se sacrifier, un peu d'abnégation, de passion, et on peut y arriver.